Oh non, me dis pas que je dois me coltiner un nouveau personnage, sinon je vais craquer là. Je m'appelle le Maître des Ténèbres. Je suis celui qui va bientôt faire régner le chaos sur le monde et dans ton émission. Je suis le grand souverain des ombres. Je suis celui qui va te... Excuse-moi, je voudrais absolument pas te couper dans ton délire, mais si tu pouvais abréger vu que j'ai pas ton temps en fait. Ouais, en gros, c'est la rentrée. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Mais... diabolique là, c'est high level. Merci, merci. Ouais. J'avoue que je l'avais un peu préparé. Hein. Va crever. Voilà, c'est comme ça qu'il faut s'en débarrasser. Et sinon, toi, ça va, Julio? Oui, oui, très bien, toi. Juste 2 secondes, hein, 2 secondes. Salut tout le monde, je vous ai manqué? Pas moi en tout cas. Ta gueule, Willy! Alors oui, je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur la rentrée, c'est pour ça que je vais essayer de ne pas faire une nouvelle vidéo sur la rentrée. Voilà, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Oh, elle est où la persévérance? Perdu au fond d'un trou, je l'ai mangé puis enterré, plus jamais entendu parler. Alors, l'année dernière, j'y suis peut-être allé un peu fort avec la rentrée. Tout n'est pas non plus tout noir. Moi, ouais, sauf les noirs, hein. Je te préviens, si tu refais une blague raciste, t'es viré. Par exemple, les fouteux, bon, on n'a pas toujours des fouteux dans sa classe. Ah si, en fait. Non mais les mecs, quand ils arrivent, limite, ils ont pas un ballon sous le bras. Ouais, t'as vu comment ils ont mis 3-1, là, branlé. Sinon, dimanche, on se fait un petit foot. C'est à se demander si les profs veulent reprendre les cours aussi. Oui, parce que souvent, on parle des élèves blasés, c'est la rentrée, oh, les élèves, ils sont pas contents. Mais les profs, je jure, quand ça arrive, c'est 1000 fois pire. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bonne rentrée. Je serai votre professeur durant le reste de cette année scolaire. On est là pour passer une année à travailler ensemble. C'est quand les vacances? Le plus drôle, c'est que moi, étant en classe de 3e, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout, voilà, pourquoi tu parles? Alors, oui. Les profs commencent un peu à connaître tous les élèves. Donc quand ils découvrent les élèves qu'ils ont et qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont passé leur année de merde avec ce petit bâtard qui fait chier, ça se voit tout de suite. Donc en ce jour de rentrée, je vais donc commencer par faire l'appel. Donc alors, Kevin Mallory, encore ce petit con. Bon, ensuite, Guillaume là. Guillaume là. You, Guillaume, ah, là alors, hein? Tu t'en souviens du chewing-gum dans la serrure, hein? Et moi, je te repère, mon pote, moi. Je vais pas te lâcher. Je te soulève, moi, mon pote. Non, puis le grand mystère de chaque année, c'est la composition des classes. Alors, tu peux le vivre de deux manières. Tu peux être cool, voilà, tu peux être zen, ok, tu es positive, hein, détente. Soit tu stresses comme un gros porc. Alors, je vais pas vous mentir, moi, bon, je suis dans la première catégorie parce que, voilà, je sais gérer le stress. C'est... Hey, t'as menti là? Oui, bon, c'est faux, hein. Le pire, c'était le matin du jour J, je tremblais tellement, j'étais stressée. J'avais mis un t-shirt, un sweat, un polo, une veste, une chapka tellement j'avais froid. Je stressais tellement à propos de ma future classe que j'en ai même oublié mon sac. Oui, mon sac, lui-même. Alors dans le bus, je vous dis pas comment j'étais, j'ai frôlé le malaise. Attends, moi j'aurais pas oublié quelque chose? Ah non, c'est bon, je les ai retrouvés. Et une fois arrivé, bon, tu retrouves tes potes et tout, c'est sympa. Mais ensuite, quand il faut trouver ta classe sur le panneau en Liège dans la cour, ça relève de l'émeute. J'ai cru voir une reproduction à l'identique de la Seconde Guerre mondiale devant mes yeux. Je dis, il faut me laisser passer. Attention, je suis armé. Bon, là, je prends mon flingue, mais je suis quand même armé. Non, mais non, les gars, mais non, non. C'est vachement compliqué de regarder tous les noms comme ça, là. Paix et amour sur la société, quoi. On se fait un petit foot?
Bon, je vous cache pas, vous avez 90% de chances d'être déçu de votre nouvelle classe. Donc quand ils t'annoncent qu'ils vont prendre la photo de classe avec ta tête de dépressif anonyme, je te dis pas comment ça va être chaud. Mec, moi je veux un peu plus de jovialité. C'est la rentrée, il faut que ça donne une allure positive. Ça peut aller dans les musées, ça peut aller dans les expos, on peut devenir riche grâce à cette photo, tu comprends? Attention, t'es prêt? J'ai envie de mourir. Ok, ça parle à la prod, ça dégage. Suivant, s'il vous plaît. Bref, en tout cas, une nouvelle année s'annonce. Et puis, il faut relativiser, tout finit par s'arranger. N'hésitez pas à me raconter comment s'est passée votre entrée dans les commentaires de la vidéo. Et puis, des bisous sur vos notes. Tchuss! Okay, popping like you'll never know, hopping on the train to go.